Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce magnifique. Alors, à la base, c'était un pull. Moi, je l'ai détourné. J'en ai fait une robe. Donc, il s'agit d'un modèle gratuit du Drop Design. Donc, le modèle, c'est Winterberry. Je vous mets le lien des explications sous la vidéo. Comme ça, vous aurez plus qu'à cliquer dessus et imprimer les explications. Donc, je vous rappelle, on prend toujours une taille inférieure à la taille qu'on souhaite réaliser et on ajuste les longueurs. Donc, il mesure de large de sous les aisselles, il mesure environ 35,5. Et pour la longueur, je ne vous donnerai pas la longueur parce que moi, je l'ai fait en pull et vraiment, j'ai pris les mesures sur l'enfant. Donc, moi, il est adapté à l'enfant auquel la robe est destinée. Donc, c'est un modèle assez simple. Je vous rapproche. Au niveau de l'encolure, ici, c'est très simple. Vous avez différentes couleurs, ce qui peut être un peu gênant, mais franchement, c'est vraiment pas dur à réaliser. Maximum, on a trois. C'est trois mailles qu'on répète. Maximum, c'est 6 mailles par moment, mais c'est vraiment très très simple, hein. Vous avez pas, je veux dire, vous travaillez pas les 6 couleurs en même temps, hein. C'est deux fils max par deux couleurs max par tour. Donc, si le modèle vous plaît, eh ben, on y va, on est parti, on sort les aiguilles et je vous souhaite un bon tricot. Pour réaliser ce pull, ce robe pull, vous allez avoir besoin de gris clair, donc ça sera la couleur principale du pull. Donc faut compter au moins 6 pelotes environ. Une pelote de blanc, une pelote de gris perle, gris perle clair, de gris foncé, de rouge foncé et moi ça sera framboise, mais vous pouvez prendre cerise. Voilà, vous vous adaptez aux couleurs que vous avez et que vous voulez faire. Donc ça, une de chaque. 50 grammes, c'est assez. Celle-là, je vous ai dit, c'est la couleur de base. Après, si vous voulez faire une autre couleur, vous faites une autre couleur. Donc, il vous faudra aussi des aiguilles circulaires. En numéro 3, en numéro 4 de 40 cm. En numéro 3 et numéro 4 en 100 cm de marqueur, mètre pour mesurer, ciseaux, aiguilles, papier, crayon, tout ce que vous avez besoin pour tricoter. Donc on est parti. Donc sur nos aiguilles numéro 3 en 40 cm, nous allons monter 84 mailles. On va monter, vous montez suivant votre aisance, votre habitude et je vous retrouve juste après. Donc une fois que vous avez monté vos 84 mailles, vous mettez à plat et vous assurez que toutes les mailles soient bien du même sens. Voilà, que ça soit pas vrillé, tordu. Donc du côté de ma main droite, je vais mettre mon marqueur. Et du côté de ma main droite, j'ai mon fil qui est relié à la pelote. Et là, nous allons tricoter en côte de 2 pendant 2 cm. Donc si vous n'y arrivez pas à tricoter en côte de 2, vous pouvez faire déjà un premier tour tout à l'endroit et ensuite tricoter en côte de 2. Deux mailles en droit, deux mailles envers pendant 2 cm. Donc une fois avoir tricoté vos 2 cm de côte de 2, on va tricoter un tour en droit en augmentant de 6 mailles. Donc nous allons tricoter ainsi. Donc nous allons faire 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Et ici, je vais faire mon augmentation. Donc, je tourne. Là, j'ai décidé de faire comme ça. Je tourne deux fois l'haleine autour de mon pouce et je pique dans la boucle. Et voilà, ça me rajoute une augmentation. Donc ça, nous allons le répéter encore 5 fois pour avoir 6 augmentations. Je vous retrouve après. Donc maintenant, une fois qu'on a fait nos augmentations, on a 90 mailles sur nos aiguilles. Maintenant, je vais procéder à faire la rehausse du col. Donc si vous ne voulez pas la faire, vous pouvez ne pas la faire. C'est juste que votre devant et votre dos seront de la même hauteur. Donc moi, avant de faire, je vais déjà passer toutes mes mailles sur mon aiguille numéro 4. Parce que d'habitude, on tricote direct, mais là, comme on va faire des rangs raccourcis, ça ne va pas être possible. Donc je transvase toutes mes mailles sur mon aiguille 4 et je vous retrouve. Donc voilà, le changement d'aiguille est fait. Donc maintenant, nous allons tricoter la rehausse. Donc comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas la faire, vous attendez la suite. Donc on va tricoter 12 mailles. Alors ça va être un peu serré, parce qu'on vient de changer les aiguilles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on va tourner notre travail pour se retrouver sur l'envers. On va, comme on est en jersey, on reste là comme ça. On va travailler, on va tricoter à l'envers. Donc la première maille, moi je la tricote pas, je la passe. Et je tire pour essayer de serrer. Donc là, ça fait une maille. On va tricoter jusqu'à 24. Donc 12 plus 12. 2. Hop, on se remet en sens normal pour tricoter. Maintenant, nous allons retricoter 36 mailles. Donc la première, je la glisse sans la tricoter, je tire le fil, donc une, deux, trente-six. Donc là, on va retourner et tricoter 48 mailles. Donc la première, hop, le fil reste comme ça, on est sur l'envers. La première, je la glisse, je la tricote pas, donc ça fait une, deux, trois, et 48. On retourne et on va tricoter 60 mailles. Pareil, la première, je la glisse sans la tricoter, ça fait une, deux, 59, 60. Voilà, là on va tourner et on va tricoter 72 mailles à l'envers. Donc une, deux, trois, 71 et 72. Oui. Voilà, on se remet dans le sens normal. Et là, on va retricoter jusqu'à notre marqueur. Donc, normalement, ça doit faire 36 mailles. 2,
2, 3, voilà, 36 mailles. Voilà, donc là on a fait notre rehausse, donc on voit bien que ici le dos c'est plus grand que le devant. Donc on a été jusqu'ici, voilà. Là et là. Voilà, on a travaillé juste un petit peu ici et là on n'a pas du tout touché. Donc maintenant, hop, que tout le monde revienne à sa place. Maintenant. Donc là, nous allons commencer à faire notre jacquard. Donc j'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vais vous dire les couleurs parce que il y a le soleil, on ne va pas s'en plaindre. Donc allez, je ne vais pas fermer le volet. Hein. Allez. Donc là, on est parti pour l'empiècement. Donc on a toujours, même si on a fait notre rehausse, on a toujours nos 90 mailles. Donc on va faire, vous allez voir, ça va être simple et rapide. Une maille grise. Deux mailles blanches. Voilà, vous répétez une grise, deux blanches, et on se retrouve après. Là, on a toujours, après ce tour-là, on aura toujours 90 mailles. Tour numéro 2, nous allons répéter la même chose. Donc, un gris clair, deux blancs. Surtout, ne tirez, serrez pas trop votre fil, hein. Sinon votre jacquard sera tout ratatiné. Et après ce deuxième tour, nous aurons toujours 90 mailles. On laisse faire la même chose. Un gris, deux blancs. Donc là, troisième tour, donc là, on va faire des diminutions. Donc, nous allons faire un gris clair, deux blancs. Ça sera la séquence à répéter. Mais tous les 6 mailles, vous allez faire une augmentation. Donc là, j'ai fait ma première, mon premier motif. Donc, je fais mon deuxième motif. Un gris, deux blancs. Et ici, je vais augmenter. Donc là, je vais augmenter en blanc. Donc je vais juste faire un jeté que je tricoterai torse au rang d'après. Donc là, j'ai fait ma première augmentation. Donc je note. Surtout, notez bien parce qu'il vous faudra sur ce tour faire 14 augmentations. Donc on va recommencer. On va faire deux motifs. Et après les deux motifs, on fait notre augmentation. Donc, je fais un gris. De blanc, premier motif, je fais le motif, un autre motif, un gris, deux blancs, et là je fais mon augmentation. Voilà, je viens de faire, hop là, je viens de faire deux augmentations. Donc vous allez continuer comme ça, vous faites un motif. Après, vous faites un deuxième motif et juste après ce deuxième motif, vous faites votre augmentation. Moi, l'augmentation, je la fais en blanc parce que le tour d'après, on va tricoter tout en blanc. Comme ça, visuellement, c'est plus facile après pour recompter si vous ne savez plus. Allez, je vous laisse faire ça et on se retrouve au tour 4. À la fin de votre troisième tour, vous avez 104 mailles sur vos aiguilles. Pour le quatrième tour, tout simple, tout en blanc. Donc, je vais tricoter jusqu'à mon jeté d'augmentation pour les personnes qui ne savent pas comment le tricoter torse. Donc si je le tricote comme ça, comme une maille, pardon, ordinaire, ça va me former un trou et c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va le piquer par le brin arrière. Donc je vais le prendre, je vais pas piquer comme ça, je vais aller passer et rechercher le brin en dessous et je le tricote. Voilà, on fait tout le tour en blanc et je vous retrouve après. Pour le tour numéro 5, toujours en blanc, donc je vais croiser mon fil pour pouvoir le faire suivre. Et nous allons faire un rang d'augmentation. Alors là, comme c'est du blanc, on ne va pas se casser la tête. Donc on va faire 6 mailles, une augmentation. 2, 3, 4,
5, 6 mailles, une augmentation, je fais un jeté tout simplement. Et ça, vous allez le faire, vous allez répéter l'augmentation 16 fois pour arriver à la fin de votre cinquième tour avec 120 mailles sur vos aiguilles. Donc pour le tour numéro 6, on va introduire la couleur gris perle clair. Donc moi c'est un gris assez clair. Après vous faites comme hein. Moi ce gris là c'est plutôt un gris bleuté. Allez, on va faire tout le tour avec cette couleur là. On fait pas d'augmentation, rien du tout. Et je vous retrouve pour la suite. Pour le tour numéro 7, on va ajouter la couleur gris foncé. Donc, on laisse le blanc et le gris clair pour le moment. On n'en a pas besoin. On va juste, je vais juste croiser pour pouvoir faire suivre mes fils. Donc, nous allons faire 3 gris clairs. 3 gris perles clairs, on va y arriver. Donc c'est la nouvelle couleur là qu'on vient d'insérer au rang précédent. Donc on en fait 3 comme ça. Suivi de une gris, un gris foncé et 2 gris perles claires. Voilà. Pour le tour 8. Donc veillez à bien décroiser vos fils, que ça ne vous gêne pas. On va travailler avec le gris perle clair et le gris foncé. Donc le gris clair et le blanc, je les laisse derrière. Donc on va faire 2 gris perles claires. 1, 2. Suivi de 3 gris foncés. 1, 2, 3. Il va falloir que je vienne faire un nœud derrière pour serrer tout ça. Ensuite, un gris perle clair. Voilà, vous répétez 2 gris perle clair, 3 gris foncés, un gris perle clair. Pour le 9e tour, on va introduire la couleur rouge foncé. Donc, on va travailler seulement avec le gris perle clair et le rouge foncé. Donc j'oublie pas de croiser mes fils pour pouvoir les faire suivre hein, sur le bleu, le gris clair et le blanc du départ. Donc on va faire un rouge foncé. Hop, je donne un peu de fil. Et ensuite on va faire 2 gris perles claires. 1, 2. Ah, c'est le capharnaüm là-dedans. Hein. Bon, et après, on refait un rouge foncé, 2 gris perles claires. On est toujours avec nos 120 mailles. Donc, on n'a pas fait d'augmentation. Donc, je vous laisse faire ça tout le tour et je vous retrouve après. Pour le tour 10. On va faire tout notre tour en gris perle clair. Voilà, on fait tout ça. Et je vous retrouve pour la suite. Pour le tour 11, on va tricoter tout en rouge foncé. Mais nous allons faire 26 augmentations. Donc notez bien vos augmentations. Je sais, je vous le répète à chaque fois. Il est important pour pas après vous retrouver qu'un mauvais nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc nous allons faire 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, une augmentation. Voilà, je note. Je prends le temps de noter sur ma feuille. Et ça, on va répéter 4 mailles, une augmentation en tout. 26 fois, donc encore 25, et terminer notre tour. Et une fois que vous aurez fait vos 26 augmentations, vous allez vous retrouver avec 146 mailles sur vos aiguilles.
pour le tour numéro 12, tout en gris foncé. Voilà, hop, je rattrape le fil. On fait ça tout en gris foncé. Et je vous retrouve après. Donc les jetés, on les tricote torse, hein. On ne veut pas de trous. Tour numéro 13. Donc entre-temps, j'ai changé mes aiguilles parce que c'était vraiment tout ratatiné. Et comme c'était mon cabinet trop grand, j'ai tiré un peu pour donner pour faire un peu du magic loop. Donc là, on va introduire la couleur. Pour moi, ça sera framboise. Sur le modèle, c'est écrit cerise, mais moi je n'ai pas de cerise. Voilà, donc ça va pas trop choquer. Donc on est parti avec du coup notre framboise et notre gris perle claire. Voilà, alors il faut que je le retrouve dans tous ces fils. Le voilà là. Bon, ce que je vais faire, je vais les passer. Faut, de temps en temps, faut pas hésiter à démêler tout ça. Alors, on remet tout le monde en place. Donc là, on va faire un framboise. Une framboise. Voilà, mon gris. Suivi d'un gris perle clair. Voilà. On va alterner une maille sur deux. Un framboise, un gris perle clair. Sur tout le tour. Il n'y a rien de plus simple. Tour 14, nous allons faire tout en framboise. Alors, on va essayer de ramener tout le monde, de les croiser. Voilà. Ça fait beaucoup de fil là. Donc, on tricote notre tour tout en couleur framboise. Et je vous retrouve après. Pour le tour numéro 15, on va utiliser le gris foncé. Et on va faire en même temps 26 augmentations. Donc on va tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Faire une augmentation. Vous allez répéter ça encore 25 fois pour avoir un total de 26 augmentations. Et à la fin de votre tour, vous allez vous retrouver avec 172 mailles sur vos aiguilles. Alors, 2, 4, 5, une augmentation de 4. 5, une augmentation. Je vous retrouve tout à l'heure. Pour le tour numéro 16, on va faire un tour. Simplement tout en rouge foncé. Pas d'augmentation, rien du tout, que du rouge foncé partout. Je vous retrouve pour la suite. Hop là, j'ai mon jeté d'augmentation, zut. Tour numéro 17, on va travailler en rouge foncé et en blanc. Donc on va faire d'abord deux rouges foncés, un blanc et un rouge foncé. Voilà, tout simple. Et je vous retrouve après. Pour les tours 18 et 9, ça sera exactement la même chose qu'il faudra répéter. Donc on va travailler avec le rouge foncé et le blanc. Donc on va faire un rouge foncé, un blanc. Tout simplement, on répète ça sur les deux tours. Un rouge foncé, un blanc. Et je vous retrouve pour le tour numéro 20. Pour le tour 20, nous allons travailler en rouge foncé et en blanc. Donc nous allons faire deux rouges foncés, un blanc, un rouge foncé. Voilà, on répète ça sur tout notre tour et on se retrouve pour la suite.
Pour le tour 26, nous allons travailler tout en rouge foncé et on va faire un tour d'augmentation. On va augmenter de 24 mailles sur notre tour. Donc à la fin de ce tour, vous aurez 196 mailles. Donc nous allons faire 7 mailles. 3, 4, 5, 6, 7 et je fais un jeté d'augmentation. Donc 7 mailles, une augmentation à répéter 24 fois et vous terminerez votre tour. Donc là, on l'a déjà fait une fois, il reste 23 fois à faire. Je vous retrouve après. Pour le tour 22, on va faire tout en rouge foncé encore. Donc on fait notre tour et je vous retrouve après. Donc pour le tour numéro 23, nous allons tricoter le tour en droit en gris clair, non, gris perle clair. On fait tout à l'endroit, tout en gris perle clair. Et je vous retrouve après. Pour le tour 24, nous allons tricoter un tour tout en gris foncé. Hop, mince, je vais croiser avec mon gris clair ou sinon ça va faire un trou. Hop là. Voilà, on fait tout en gris foncé. Et je vous retrouve pour le prochain tour. Je m'en mêle, je m'en mêle. Pour le tour 25, on va repartir avec notre gris clair du départ. Et on va faire un tour d'augmentation. On va augmenter de 16 mailles. Donc, on va faire 12 mailles, une augmentation, tout simplement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, une augmentation. Voilà, ça, on va le répéter encore 11 fois pour avoir. Encore 15 fois, j'ai dit 16 augmentations. Donc vous répétez encore 15 fois. Et à la fin de votre tour, vous aurez 212 mailles sur vos aiguilles. Pour le tour 26, nous allons travailler en rouge foncé et en gris clair. Le gris clair du départ et du rang précédent. Alors, nous allons faire un rouge foncé, deux gris clair et un rouge foncé. Voilà, on répète et je vous retrouve pour le tour numéro 27. Pour le tour 27, on est toujours en gris clair et en rouge foncé. Je vais juste croiser mes fils. Les faire remonter. Donc on va faire deux gris clair, deux rouges foncés. Tout simplement, on répète deux gris clair, deux rouges foncés et je vous retrouve après. Voilà, on arrive au tour 28, donc là on va pouvoir couper le gris foncé. C'est terminé, on ne va pas le retoucher. On va se débarrasser d'une pelote. Là, on n'a vraiment pas beaucoup utilisé. Hop, je démêle en même temps mon fil.
Voilà, ça, tac, de côté. Donc pour le tour 28, on va travailler en gris clair et en framboise. Donc on va faire, je retrouve mes fils, hop, ça et ça. Donc on va faire deux framboises et deux gris clair. Voilà, vous répétez deux framboises, deux gris clair et on se retrouve après. Tour 29, toujours en gris clair et en framboise. On va faire un gris clair, deux framboises, un gris clair. Un gris clair. Deux framboises. Un gris clair. Voilà, on répète ces quatre mailles et je vous retrouve après. Voilà, le tour numéro 29 est terminé. On peut couper le fil framboise. On garde les autres. Hop. Donc maintenant, pour le tour numéro 30, on va prendre notre gris clair. Donc c'était la couleur du départ et on va faire un tour tout en gris clair tout simplement. Pas d'augmentation, rien du tout. On tricote les mailles une à une tout en gris clair. Tour 31, toujours en gris clair, mais nous allons faire quelques augmentations. Donc je croise pour pouvoir emmener mes fils. Donc là, on va augmenter de 8 mailles. Donc on va tricoter 26 mailles et faire une augmentation. On va répéter en tout 8 fois au total. Donc 1, 2. Cinq, 26, mon jeté d'augmentation. Donc je n'oublie pas, je note et ça on le fait encore 7 fois. À la fin du tour 31, vous vous retrouvez avec 220 mailles sur vos aiguilles. Pour le tour 32, on va faire un tour en droit en gris perle claire. Donc on tricote les mailles une à une, pardon, et on se retrouve après. Pour le tour 33, nous allons travailler en gris perle claire et en rouge foncé. Donc on va faire un rouge foncé, un gris perle claire. Tout simple. Hop. Je vous retrouve après. Donc là, nous venons de terminer le tour 33. Nous allons pouvoir couper le fil rouge foncé. C'est terminé pour lui. Voilà. Hop. Donc pour le tour 34, on va tricoter tout en gris perle claire. Allez, on fait notre tour en entier et on aura bientôt terminé. Pour le tour 35, donc là, on a fini avec notre gris perle claire, on peut couper. Hop. On débarrasse. Donc là, pour le tour 35, on va faire tout en gris clair, donc la couleur du départ, en augmentant de 8 mailles. On va monter de 8 mailles. Donc je ramène mon fil blanc en même temps. Voilà. Le reste, ça sera des fils à cacher. Donc on va tricoter. On va tricoter 27 mailles et faire une augmentation de
27 mailles, une augmentation. Voilà, donc ça, on le fait en tout 8 fois. Pour avoir à la fin de notre 35e tour, 228 mailles sur les aiguilles. Nous venons de terminer le diagramme 1-1. Maintenant, on va attaquer le diagramme A2. Donc, en gris et en blanc, tout simplement. Donc, on va commencer et faire 3 gris. 1, 2, 3. Un blanc. 3 gris. Un blanc, 3 gris, et un blanc. On répète ça sur tout le tour. Pour le deuxième tour, nous allons faire 2 gris clairs, 2 gris clairs, un blanc. Un gris, je vous dis plus gris clair hein, parce qu'on est sur le gris clair de toute façon. Un blanc, 3 gris, un blanc, un gris, un blanc, un gris. Voilà ce qu'il faut répéter. Donc 3 gris, je vérifie en même temps. Non, 2 gris, pardon. 2 gris, 1 blanc. 1 gris, 1 blanc. 3 gris, 1 blanc. 1 gris, 1 blanc, 1 gris. Pour le tour numéro 3, vous allez répéter la séquence de 1 gris. Un blanc, un gris, un blanc, un gris, un blanc encore, trois gris. Un blanc, 2 gris. Voilà. Pour le tour numéro 4, nous allons faire 2 gris. 1 blanc. 1 gris. Un blanc, 3 gris, un blanc, un gris, un blanc et un gris. Cinquième et dernier tour du diagramme A2, nous allons faire 3 gris, 1 blanc. 1, 2, 3. Tout ce qu'il faudra répéter. 3 gris, 1 blanc, 3 gris, 1 blanc. Voilà. Je vous retrouve après. Nous avons fini de tricoter le diagramme A2. On va pouvoir couper le fil blanc. On a fini avec nos dessins, nos motifs. On laisse un petit bout de fil pour pouvoir le cacher aisément. Et maintenant, nous allons faire la séparation du dos, du devant et des manches. Alors, ça va être simple. Toujours très facile. Donc, dans un premier temps, on va tricoter 34 mailles, ça correspond au demi-dos, 1,
2, 3, 34 mailles. Nous allons prendre nos arêtes mailles. Si vous n'avez pas d'arêtes mailles, pouvez prendre un fil et une aiguille. Et sur cette arête maille, on va y glisser 46 mailles. Et 46 mailles, ça va correspondre à la manche. 1, 3, 4, 5, 46. Ensuite, on va monter 6 mailles pour le dessous de la manche. Donc moi, je monte. Je fais un montage tricoté. Je me mets à l'envers et je vais tricoter 6 mailles. Donc une, deux, trois, quatre, cinq et six. Je me remets dans le bon sens. Voilà, et là je vais tricoter. Je vais tricoter 68 mailles qui correspondent au dos. Donc là, on va bien serrer entre les deux pour éviter les trous. Donc une, deux, trois, quatre. Je vous retrouve quand je suis à 68. Donc après avoir tricoté les 68 mailles, on va reglisser 46 mailles. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais je le mettrai au montage, de mettre un marqueur au niveau des 6 mailles montées. Donc on a dit 46 mailles. 1, 2, 3, 44, 45 et 46. Voilà. Je remonte 6 mailles. Donc pareil, je me remets dans l'autre sens. Donc une, deux, trois. Je mets mon marqueur du milieu des deux mailles. On va en avoir besoin pour tout à l'heure. Je continue. Quatre, cinq et six. Voilà, je continue et logiquement, il me reste 34 mailles. Donc là, la première maille, on va bien la serrer. On va bien la serrer. Hop. On file. Une, deux. Voilà. Donc là, à ce stade, sur nos aiguilles, on a 148 mailles. Donc là, on va plus commencer par ici. On va l'enlever. On va démarrer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un peu de fil parce que là, c'est un peu juste. Voilà. Donc, je vais retricoter jusqu'ici et là, ça sera mon début de tour. Au milieu de mes 6 mailles. C'est là que je vais remettre mon marqueur de début et de fin. Maintenant, à partir d'ici, on va tricoter jusqu'à avoir une hauteur de 4 cm.
Et on se retrouve pour faire, on va augmenter de chaque côté du pull pour faire un petit évasé. Donc on tricote là, ici, on va mesurer d'ici 4 cm. Donc je vous retrouve, je suis arrivée à mes 4 cm depuis la séparation. Donc là, nous allons augmenter une maille de chaque côté. Donc on est comme ça. Nous avons notre marqueur ici. On va augmenter une maille avant le marqueur, une maille après le marqueur. Pareil ici. Et au total, on va augmenter 4 fois. Donc 4 mailles en plus par tour. Tous les 4,5 cm. Donc premier tour d'augmentation. Donc on a notre marqueur des débuts et de fin de tour. On tricote une maille. On fait une augmentation. Donc moi je fais tout simplement un jeté que je tricoterai de torse au rang suivant. On va tricoter jusqu'à arriver à une maille. Hop, à une maille de ce marqueur. Voilà, je suis arrivée à une maille de mon marqueur. Je fais mon augmentation. Donc moi, ça sera un jeté. Je tricote ma maille. Je passe mon marqueur. Je tricote la maille d'après. Je fais une augmentation. Et on va tricoter jusqu'à une maille du dernier marqueur. Du marqueur du début et de fin de tour. Voilà, je suis arrivée à une maille avant mon dernier marqueur. Je fais un jeté. Je tricote la dernière maille. Voilà, nous venons de faire notre premier tour d'augmentation. Là, il va en falloir en refaire encore 3 autres. Donc, le deuxième tour, vous referez la même chose. Une augmentation avant, après les marqueurs à 8,5 cm. Le troisième tour d'augmentation à 13 cm. Et le quatrième et dernier tour d'augmentation à 17,5 cm. Une fois le dernier tour d'augmentation, vous allez avoir 164 mailles sur vos aiguilles. Alors, vous avez deux choix. Soit vous faites comme dans le modèle initial, vous le tricotez en pull. Alors là, vous allez tricoter jusqu'à 24 cm. Voilà, vous descendez jusqu'à 24 cm. Soit vous faites voilà, un pull, donc vous tricoterez jusqu'à avoir une hauteur de 24-25 cm à peu près. Hein, vous prenez la mesure au plus juste et vous ferez 4 cm de côte. Ou comme moi qui veux le faire en version robe pull, je vais tricoter jusqu'à environ 40 cm. Et après, je ferai mes 4 cm de côte. Donc pour faire les 4 cm de côte, avant de faire les côtes, vous ferez un tour en droit en augmentant de 40 mailles. Donc pour faire vos augmentations, vous tricoterez 4 mailles et ferez une augmentation. Ça, vous allez le répéter jusqu'à l'avoir fait 40 fois. Une fois les 40 mailles augmentées, vous aurez 204 mailles et là avec vos aiguilles. Numéro 3, vous ferez 4 cm de côte 2-2. Donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Bon, mais je reviendrai pour vous réexpliquer quand j'arriverai moi à mes côtes. Donc vous faites soit comme moi en version longue ou en version courte. Et je vous retrouve quand on arrive au bout pour les côtes. Voilà, une fois être arrivé à la hauteur que vous désirez, donc je vous ai dit pour un pull environ 24 à 25 cm, tout dépend la longueur. Voilà, vous ajustez. Hein. Moi, comme c'est pour faire une robe pull, j'ai tricoté plus long, j'ai tricoté 40 cm. Donc maintenant, toujours avec nos aiguilles numéro 4, on ne change pas d'aiguille, on les changera après. On va faire un tour d'augmentation avant de passer aux côtes. Donc là, une fois que vous êtes là, en ce moment, sur vos aiguilles, vous avez 164 mailles. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et faire une augmentation. Voilà, ça, on va le répéter 4 mailles, une augmentation. En tout, 40 fois. Donc là, on a fait une première fois. Il vous restera à faire encore 39 fois.
fois. Le deuxième marqueur, il est où? Il est où? Il est où? Je sais plus, je ne l'ai pas enlevé, je crois pas. Celui-là, le deuxième, là, de l'autre côté, vous pouvez l'enlever, hein. Vous gardez juste le marqueur du début et de fin. Donc, vous faites ça. Vous faites vos 40 augmentations. Donc, après avoir fait vos 40 augmentations, vous aurez 204 mailles. Et je vous retrouve après pour attaquer les côtes. Une fois arrivé au bout de vos augmentations, on va reprendre les aiguilles circulaires, les grandes aiguilles circulaires numéro 3 et tricoter en côte de 2. Donc, deux mailles en droit, deux mailles en vert pendant 4 cm. Hop là. Donc, on est parti. Alors, ça me gêne. Hop là. Donc, soit vous les transvasez sur la nouvelle aiguille ou soit vous tricotez directement. Donc, deux mailles en droit, deux mailles en vert. Et ça pendant 4 cm. On se retrouve quand on arrivera à nos 4 cm pour rabattre souplement. Voilà, on se retrouve. J'ai terminé mes 4 cm de côte, donc maintenant je vais rabattre. Alors, faut rabattre souplement. Donc, si vous avez un peu de mal à rabattre souplement, moi je vous conseille, et moi c'est ce que je fais, je prends des aiguilles plus grosses. Donc là, je vais prendre des aiguilles numéro 4. Donc, je prends mes doubles pointes. C'est juste pour rabattre, on n'a pas besoin d'avoir de longueur. Donc, j'enlève tout ça et on rabat en suivant le sens des mailles. Donc, les deux premières, ce sont des mailles en droit. Donc, on va les tricoter à l'endroit. Voilà, il est important de suivre le sens des mailles, sinon ça va vraiment pas être joli. Hop. Après, nous avons des mailles en vert. Ça m'embête un peu, ça. Hop, je vais la passer derrière. Donc, on tricote les mailles à l'envers. Encore une maille en vert. Voilà, vous avez compris. Après, des mailles en droit. Hop. Bon, on fait tout le tour et on se retrouve pour les manches. Prenez votre temps pour rabattre, hein. Donc, j'ai terminé le rabattage du bas. J'ai caché le fil. Et vous voyez qu'en prenant une aiguille un peu plus grosse, on reste sur quelque chose vraiment de souple et ça fait super joli. Donc maintenant, on va reprendre nos mailles qu'on avait mis en attente. Donc de mémoire, non, je ne sais pas, je regarde mon papier. On avait 46 mailles en attente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remettre sur nos aiguilles circulaires numéro 4. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, tricoter directement avec vos aiguilles double pointe. Allez-y, moi je vais commencer avec mes aiguilles circulaires et après, au fur et à mesure des diminutions, je prendrai mes aiguilles double pointe. Donc on va mettre toutes les mailles et on va relever une maille dans les 6 mailles qu'on avait montées sous la manche. Et au milieu de ces 6 mailles, on mettra le marqueur de début et de fin. Hop, j'arrive au bout, j'arrive au bout. Voilà, quand on arrive à tricoter les manches, on se dit c'est bientôt la fin du pull ou de la robe. Ou... Hop. Les deux dernières et on est bon. Voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons relever. Alors moi, généralement, je relève une maille de plus ici pour éviter les trous. Et sinon, après, je suis obligée d'aller faire du cache-misère avec un fil, essayer de refermer le trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux marqueurs provisoires. Donc, ce style de marqueur-là, certains ne ferment pas très bien. Donc, voilà, j'aime pas trop ces marqueurs-là parce que ça s'ouvre tout seul et ça me gêne sous la main. Donc, ce que je fais, je mets là
Et je mets là, comme ça, quand je vais arriver ici, je saurai que la maille d'avant et la maille d'après, je les tricoterai ensemble pour réduire, comme je vais relever une maille supplémentaire. Donc, oh, ça m'enquiquine. Je vais relever. Oh, c'est un peu, bon, c'est pas grave. Celui-là, je le mettrai après parce que sinon, ça va me casser les pieds. Hop. Alors, je vais faire comme ça. Et je vais relever une maille ici qui ne va pas compter, hein, que j'enlèverai. Alors, quand je relève, moi, je pique direct, comme ça, à peu près. On est là, je veux que du gris. Donc là, il va falloir en relever 6 ici. Donc celle-là, je la ferai ensemble. Donc, 1, je pique comme ça. 1. Comment je vais faire? Je fais au feeling, hein. C'est pas vraiment orthodoxe ma manière, mais moi ça marche bien. 1, 2, 3. Je prends les brins. Je mets mon marqueur du milieu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop, les aiguilles sont un peu grandes pour la manche. Je vais tirer le fil comme ça. Donc là, j'ai dit que je mettais mon marqueur parce que je relève une maille supplémentaire. 1, 2, 3. Je vais relever ici. Hop. Voilà, on va enlever ça. Tac, ça va cacher. Donc là, je vais relever 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est pas c'est pas forcément la manière qu'il faudrait faire, mais ça marche tout aussi bien. Donc là, on va tricoter. Alors le premier tour, c'est un peu dur. Vous entendez rigoler, c'est mon fils, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va tricoter. Hop, on y va. En gris, la couleur de base. Hop. Je vais tenir la queue du fil comme ça. On va tricoter pendant 2 cm. Et on fera notre première diminution. Donc là, j'arrive à mon histoire de la maille en trop. Je vais la l'enlever. Hop. Donc, les deux mailles là, je vais les tricoter ensemble pour éviter au maximum les trous parce qu'il y a toujours des trous. Même si on a beau serrer, nos mailles, il y a des trous. Et moi, j'ai trouvé cette solution. Je crois que je vais prendre après mes aiguilles double pointe parce que sinon je vais me galérer à tirer toujours le fil. Je fais le premier tour avec vous. Continuer. Là, je vais tirer le fil de ce côté-là. Donc là, j'arrive à mon marqueur, je l'enlève et les deux là, je les tricote ensemble. Je termine mon tour, les 3 dernières mailles qui sont un petit peu dures. Voilà, j'arrive au bout. Donc,
Je vais prendre mes aiguilles double pointe parce que sinon ça va m'enquiquiner. J'aime pas. Donc vous allez à partir d'ici, vous pouvez mettre un marqueur si ça peut vous aider pour mesurer. Hop. Donc on va mettre là. Tac. Voilà. Ici, vous allez tricoter jusqu'à 2 cm et on fera les diminutions. Donc je vous explique parce que ça va être très simple. Hein. Je vous explique à combien faudra toujours tourner et diminuer à chaque fois pareil. Donc là, vous allez tricoter jusqu'à avoir 2 cm. Quand vous avez 2 cm, vous ferez votre premier tour de diminution. Donc pour faire votre tour de diminution, vous tricoterez la première maille. Les deux suivantes, vous les tricotez ensemble. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Les deux mailles là, vous les tricoterez ensemble et vous ferez la dernière maille toute seule. Ça sera votre premier tour de diminution. Vous allez tricoter après jusqu'à après vous ferez les tours, les tricoterez les mailles une à une jusqu'à arriver à 6 cm depuis votre marqueur. Vous referez la même chose, vous ferez une maille, deux mailles ensemble. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles ensemble, une maille seule. Vous terminez votre tour. Après, vous tricoterez vos mailles une à une jusqu'à 10 cm. Pareil, une maille, 2 mailles ensemble. On tricote jusqu'à 3 mailles, 2 mailles ensemble, une maille. Vous tricoterez. Donc ça, 10 mailles, c'est troisième tour de diminution. Le quatrième tour de diminution, vous le ferez à 14 cm. Le cinquième tour de diminution à 18 cm et le sixième et dernier tour de diminution à 22 cm. Une fois que vous aurez fait vos derniers tours de diminution, vous allez vous retrouver avec 40 mailles sur vos aiguilles. Vous allez tricoter, alors moi je vais tricoter jusqu'à avoir 28 cm, mais vous vous ajustez, hein. Sinon 27 cm. Mais moi il me faut 28 cm. Et après vous ferez un tour en après les 27 ou 28 cm, vous tricoterez en côte de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert avec les aiguilles numéro 3 pendant 4 cm. Vous ferez 4 cm de côte avec vos aiguilles numéro 3 et pareil. Vous rabattez souplement. Voilà, pour rabattre, vous reprenez vos aiguilles 4 comme je vous ai montré quand on a rabattu le bas du pull, robe pull. Voilà. Donc, je vous retrouve quand j'ai terminé ma manche. Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de. C'est tout en uni, donc c'est très simple. C'est toujours la même chose. Si vous avez déjà suivi mes autres vidéos où je vous explique vraiment. Je tricote, je vous montre, je tricote, là c'est pareil. Hein. Voilà, allez, on se retrouve après. Voilà, je reviens avec vous, les manches sont terminées, vous voyez ce que ça donne, c'est rabattu très souplement. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux, hein, c'est pas évident, mais vous verrez ça mieux en début de vidéo, quand je ferai la présentation. Donc voilà, la petite robe, elle est terminé. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Je vous mets le lien des explications écrites sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, à plus tard. Ciao!